Bonjour à toutes et à tous, je suis Bob, on se retrouve pour la suite de Ostrive. Alors, déjà là, ça me dit que le stockage est plein, donc là on peut construire de nouvelles habitations. Le seul problème va être la pierre, car on n'en a plus. Il faut qu'on en importe. Alors, on m'a dit de débloquer le backway que j'ai ici. Mais je crois que j'en ai encore en stock là-dedans. Alors, on va regarder. Ouais, le labeur, les laboureurs. Ils sont bien activés. Ici, j'en ai plus en stock. Et alors, on m'a dit de vérifier par contre dans mes shops. Ça, c'est bien ce que j'ai vendu. Mais ici, j'en ai pas. Alors là-dedans, j'ai bien mis que les femmes au travail. Et en aide, on met tout le monde. Ça, c'est bon pour celui-là. Ici, on vend quoi? Buckway, ok. Et ben on va libérer alors le Buckway qui est là, en effet. Hop là. Et oui, j'en avais créé un deuxième pour pouvoir faire des ventes de ressources si j'avais eu trop de ressources, mais pour l'instant, j'ai rien mis. Ensuite. Ouais, bah le miel, j'ai pas envie de l'acheter à mes colons, mais s'il y avait besoin, je peux le rapatrier. J'ai rajouté une maison ici, même si je sais que bah maintenant, enfin maintenant je le sais, qu'on a trop de villageois apparemment. Mais ça me dit que il manque 70 ouvriers là. C'est pas normal. Ah si, on m'a dit de réduire le nombre d'ouvriers dans les fermes. Mais le problème c'est que si je réduis le nombre d'ouvriers dans les fermes. Je risque d'avoir un problème pour arriver à cultiver tous mes champs. Parce que j'ai un paquet de champs à cultiver. Et le problème que j'ai eu, c'est passé ici, ils n'ont pas pu récolter la totalité des deux champs. Donc c'est pour ça que j'ai été obligé de refaire une maison ici. Pour mes vaches, ça avance. Ici, on vend quoi? De la viande, mais de la viande on n'en a pas encore, mais ça va venir. J'ai transféré un couple, un mâle et une femelle, dans la deuxième. Ah non, j'ai mis deux femelles et deux et un mâle pour qu'ils puissent se reproduire. Ici, ça se reproduit gentiment. On a déjà un bœuf là-bas. Alors, le fer, c'est bon. Là, j'ai trouvé la solution. J'ai arrêté de. J'ai bloqué ce que j'envoyais là. Donc, maintenant, ma production, elle est bien réelle ici. Voilà, là, c'est en train de se stocker. Donc, là, mes petites charrettes, elles vont être entretenues. Ah, c'est le minimum d'entretien. Bon, on va les maintenir à 90%. D'accord, c'est la charrette qui se promène. Alors, elle est toujours en galère de thunes, mais ça, c'est normal. On ne peut pas y faire grand-chose pour l'instant. Lui, c'est pareil. Alors, de temps en temps, je lui redonne un peu d'argent histoire que ça les maintienne à flot. Par contre, on manque de variété de nourriture. Pourtant,
J'ai bien de la variété de nourriture là qui arrive, hein. Ah, toi tu manques d'argent aussi. Et toi, on va te dire de vendre des œufs ou du beurre, peu importe. Ça ferait une nouvelle variété. Ça, c'est bon. Et là, toutes les maisons sont bien occupées, hein. Donc, bah, je serais bien partant, moi, pour continuer à agrandir mon village. Par contre, je manque de pierres. Donc, on va aller voir sur la carte du monde. Pour l'instant, il n'y a personne qui se propose. Alors, au niveau des champs, là, c'est en train de se récolter. Ouais, là, ils sont en train de récolter. Parce qu'on m'a dit de réduire le personnel dans les fermes. Mais le problème, c'est que si je réduis le personnel dans les fermes, ils vont pas pouvoir récolter tous les champs. Même si je mets du labeur, j'aurai pas assez de labeur. Parce que même là, on n'en a pas assez déjà. Ici, c'est en train de se récolter. Faut qu'on récolte le blé par contre. Et voilà, là ils cherchent du monde, mais on manque de personnel. Donc faut bien rajouter des maisons, hein. Il n'y a pas le choix. Mais pour ça, il faut que je rajoute. Faudrait que j'aie de la pierre. Bah, on va attendre d'avoir un peu de pierre. Donc, je vais laisser tourner un petit peu. On va attendre d'avoir un vendeur de pierre qui arrive. Parce que là, niveau argent, on est remonté. Là, c'est en train de se récolter gentiment. Bon, bah, je le disais justement, ça tombe bien. J'ai lui qui arrive et qui peut me vendre 1000 de pierre. On va lui acheter la totalité de ce qu'il a en pierre. Et qu'est-ce que l'on pourrait lui vendre? Ça, c'est bien ce qu'ils offrent. Et ça, c'est bien la demande, hein. Alors, je veux bien m'être trompé la dernière fois. Et là, c'est ce que j'ai dans la ville. Et ça, c'est ce que j'ai dans le prêt pour être exporté. Donc, la demande, c'est ce que eux, ils veulent. Là, j'en ai 300, je peux y en vendre 200. D'ailleurs, on va le faire. Comme ça va équilibrer un petit peu l'achat que j'ai fait. Textile, on n'en a pas à vendre. Et le miel, on en a 1440. Donc, on va en vendre 1000. Ça me fera 100 pièces de plus. Et là, il va me falloir des bœufs. Mais je sais pas comment on fait pour transférer des bœufs ici. Ils me disent qu'il me manque des animaux. Donc, il va falloir que je produise deux bœufs. Là, ça se présente comment? Là, on en a un. Là, c'est des jeunes. On va peut-être prendre. On va essayer d'en prendre deux, hein. Tac. Donc là, on a deux bœufs, on est d'accord. Est-ce que je peux. Ah ouais, on peut le déplacer ici. Ça c'est cool. Et ben lui on va y faire la même chose. Il est où le deuxième? Je l'ai perdu? Il est passé où? J'en ai perdu un. Là j'en ai un, on est d'accord.
Bah, je l'ai transféré où l'autre? Je me serais trompé et je l'aurais abattu? Parce que je le vois pas dans la liste. Ça, c'est des vaches, taureaux. Bon, on va attendre, parce que là, c'est un jeune mâle. Ouais, c'est bizarre. Alors, est-ce que lui, il va fonctionner maintenant qu'il y en a un? Je sais pas où est passé le deuxième, de toute façon. Ah, ça commence à s'améliorer là. On a encore des familles qui s'en vont, par contre, ça c'est pas cool. Par manque de nourriture. On va essayer d'équilibrer la situation quand même. Hein. Ah, là on a de la nourriture qui va se stacker. Là, on va produire de la farine. Ça, c'est bon. Ouais, la farine, pourtant, on en a en stock, hein. Ah, l'hiver arrive. Là, il y a un magasin. Et de la farine, pourtant on en vend. Hein. Ici. On vend pas mal de choses, mais on n'a pas grand-chose qui arrive au final. On a eu du beurre et des œufs. Là, le stockage est plein, ok. En minerai de fer. Là, on est plein aussi. Et lui, il peut plus produire pendant l'hiver. Ce que je comprends pas, c'est qu'il manque de nourriture, alors que pourtant, j'ai de la nourriture à vendre. Bah, cela, c'est bien de la nourriture que j'ai à vendre pourtant, donc c'est là que je comprends pas ce qui se passe. Alors, le blé, on le stocke où? On le stocke ici. Donc, on va pouvoir racheter des cochons. Vu que nos cochons s'en étaient parmi. Alors, on va remettre en pause. Est-ce que c'est toi qui vends les cochons? Oui. Alors, tu vas m'en donner deux femelles pour un mâle. Ça me coûte 105, ok, pas de soucis. Toi, je peux te vendre du charbon. Ça, c'est les stockages de la ville et ça, c'est pour l'export. Donc là, ça, c'est ok. Ah bah les œufs, on n'en a pas assez. Et ben, on va refaire des poulaillers, hein. Le problème, c'est qu'on va toujours manquer de personnel, comme d'hab. Elle est où l'entrée du poulailler? Ah, elle est là, d'accord.
Mais bon, on va leur dire de construire ça. On aura un poulailler de plus comme ça. Peut-être qu'on va arriver à produire des œufs. Parce que là, on produit principalement de la viande. Ah, on fait des œufs pourtant. Ah si, là on a commencé à produire du sel. Alors si on commence à produire du sel, il va falloir qu'on le stocke par là. Non, pas là. Est-ce que le sel, on peut le stocker ici? Non. Donc le sel doit se stocker en grenier. C'est ça. Bon, on va leur dire de construire un nouveau grenier alors, hein. Et comme les usines de pêche sont là, il faudrait qu'ils soient pas trop loin. Et il veut pas me le construire à cet endroit-là, hein. Bon, on va le mettre juste là alors. Donc il y a des familles qui s'en vont, d'autres qui reviennent. Va falloir qu'on se mette à fabriquer des bottes aussi. Production. Les bottes, les bottes, les bottes. Ah, le grenier est terminé de construire, ça c'est cool. Bon, le printemps est revenu. Les vaches se reproduisent, nos cochons sont arrivés. Ça c'est fait. Ici, c'est bon, il n'y a que des femmes. Par contre, on manque d'ouvriers. Alors, on va essayer de les réduire un petit peu, peut-être. Ah, mais c'est que sinon, ça produit moins, en fait. Ça permet d'avoir toujours quelqu'un sur place. C'est ça. Je vais leur dire de construire une maison traditionnelle avec 6 apparts. C'est lesquels? C'est celui-là. Hop là. Alors, on va essayer de la placer bien. Hop là. Comme ça, on va gagner des familles. Là, il y en avait une qui était en cours de construction. On va leur dire de continuer. L'autre va pouvoir attendre. C'est pas gênant. Et on va agrandir le nombre de champs après par la suite.
Mais pour l'instant, faut qu'ils arrivent à enlever les arbres. Ils ont un peu de mal avec ça. Ok, eux, ils emmènent un arbre. Là, ce serait presque une autoroute qu'on a fait. Hein. Je pense que niveau charbon, on est pas mal. Hein. Là, ouais, si c'est bon, ça c'est bien du charbon. Notre cimetière se remplit doucement. Donc là, on est bon. Nouvelle famille installée, ok. Oh bah, elle est déjà terminée la maison là. Hop là, ça c'est fait. Et donc là, on va pouvoir avoir de nouvelles familles, ce qui va peut-être réduire le nombre de recherches d'emploi, quoi. On va aller voir les vaches en passant. Ah, on a des jeunes qui arrivent. Alors, toi, tu me vends quoi? Et tu demandes quoi? Toi, tu vends de la pierre, on va t'acheter le tout. Alors après, qu'est-ce qu'on peut lui vendre? Je ne sais pas. Ouais, parce que les stockages, c'est bien dans ces entrepôts-là que j'y mets. Mais on va essayer d'en remettre un nouveau de grenier. Parce qu'on en avait un là, je crois. Ouais. Du sel et du poisson séché. Ouais, si, là, on est bon, hein. Ça c'est le blé, ok. Ok. Bon bah là ça a l'air de bien tourner hein, pour l'instant. Là on va avoir des familles qui vont arriver. Normalement, ça doit réduire le nombre d'ouvriers manquants. Hein. Ouais, ça réduit. Il y a eu comment l'autre? Ok. C'était pas ça. Ah si, il y a des gens qui s'installent. Alors, ici. Hop là. Ok, il y a 5 cochons qui vont... cochons. 5 poulets... qui vont se développer maintenant et me faire des œufs. Ah, les moutons, commence à y avoir du monde. Hein.
On est à 18 sur 30, donc il y a encore de la marge. Il me manque quoi? La pierre, c'est bon, il me manque tout le reste. Et pourtant, là, dans le store, j'ai bien mis à vendre. Non, je sais pas. Oula, il y a du monde qui est parti là. Et donc, ouais, là, on manque toujours de nourriture malgré que j'ai rajouté pas mal de choses. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas le courage d'aller les enlever. Ah, un nouveau messager. De la pierre, oui. Et qu'est-ce que je peux te vendre à toi? Je sais pas. Non, là j'ai rien en stock à lui vendre. Donc bah, on va avancer un petit peu. Ah, on a un nouveau messager. Qui vient d'où lui? Et il veut quoi surtout? Alors, il vend du sel, du miel, ok. Et ok, ça c'est bon. Ouais, on peut rien lui vendre de plus. Bah, on va dire de construire la dernière maison. De toute manière, ça a réduit le nombre d'ouvriers manquants, ouais. De toute façon, elles se valent. Donc là, on va mettre celui-là là. Allez. Hop là. C'est bon, j'ai réussi à le placer. Avec un peu de difficulté, hein, mais on y a réussi. Ah, là, il y a une vis. Ah non, même pas. J'ai cru que c'était à une vis, mais non, c'est un personnage. Je pense que là on est pas mal, on est en train de rattraper la situation qui était un petit peu hasardeuse. Alors là. Bon, bah on va laisser tourner au moins jusqu'à la fin de l'année pour voir ce qui se passe. Donc la maison va se monter, on attend un peu de rochers. Par contre, je sais pas où il me stocke la pierre que j'ai fait importer. Donc ça, c'est bon, ok. Ok, bon, on va leur dire d'enlever tout ça, hein. Donc là, on va leur dire d'enlever tout ça.
là, on en valide un bon bout, on y verra plus clair après, de toute façon. Ah bah l'hiver arrive déjà. Par contre, je comprends pas où est passée la pierre. Ouais. Alors l'hiver, par contre, je cours après ma souris à chaque fois. Donc je vais le laisser passer. Ah, un nouveau messager. Alors, lui, il demande quoi? D'accord, il me demande que des choses qui m'intéressent pas, bah, que je peux pas lui vendre. Ah, peut-être du miel, si. On peut lui en vendre 1000. Parce que le niveau des finances, ça a baissé. On est descendu en dessous des 1000. Alors, on va aller jeter un œil vite fait à nos animaux. Donc là, c'est pas mal, ça se reproduit. Ici, on en a deux de plus. Ok, j'arrive pas à cliquer dessus. Par contre, je sais pas où est la pierre. C'est ça qui me paraît bizarre. Pourtant, j'en ai commandé pas mal. Ok. Ah si, là. Ça, c'est bon. On va lui dire de faire du petit poulet. Par contre, il manque toujours de variété de nourriture, alors que pourtant, je leur en ai mis pas mal de sortes différentes. Non, c'était pas ça que je voulais. Là, comme ça, ok. Bah si, on leur vend à bouffer pourtant. Bon bah là il n'y a rien à faire en attendant, on va juste attendre que l'hiver passe. Quoique ça se trouve l'épisode a été déjà assez long, on va jeter un œil. Alors ouais, en effet, là c'est presque assez long. Donc bon, on va en rester là pour cet épisode. Je pense avoir stabilisé approximativement le problème de nourriture. Je dis bien approximativement. D'accord. Il s'est barré alors que j'ai donné de l'argent lui. Normal. Ouais, bah si, là on est pas mal. Hein. Je vais juste attendre le printemps pour voir s'il se passe quelque chose d'important. Donc ouais, bah j'ai réussi à stabiliser à peu près la situation. Au niveau de la bouffe, on s'en sort pas trop mal, même si c'est encore un peu compliqué. Niveau variété de nourriture, il y en a plus que deux qu'on n'a pas assez. Donc ça c'est pas mal. Le bâtiment là, on attend de recevoir la pièce. Les pièces plus précisément. Donc là, on est bon, ok. Bon, bah, on va en rester là. Donc pour cet épisode, je pense avoir stabilisé à peu près l'économie du jeu. Bon, bah là, on est bon. Hein. Bah, je vous remercie de m'avoir suivi. Laissez un petit pouce bleu. Et puis, bon, on verra au prochain épisode comment ça se déroule. Si on peut agrandir les champs. Bah, rajouter une ferme, rajouter des champs. Ou de ce côté-là, peut-être. Parce que je pense faire du champ de ce côté-là, on a une grande place, là. C'est bien tentant. Donc, pensez à laisser vos petits pouces bleus, à partager. Et puis, bah, abonnez-vous si c'est pas encore fait. À bientôt, les amis.